Nous sommes le 10 avril 2022, 17h sur Akhbar al-Bled. Ramadan Karim, bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Diaspora algérienne. Les Algériens du monde, un grand potentiel gâché par la junte militaire au pouvoir en Algérie. Avant de discuter du sujet, n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir un bip à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, ce qui va vous permettre d'être toujours les premiers à suivre l'information dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Bonsoir. Une chose est certaine, l'Algérie ne profite pas du potentiel prometteur de sa diaspora à l'étranger, ni sur le plan économique, ni sur le plan politique, l'État algérien n'a jamais su tirer profit des compétences et qualités de sa diaspora en Europe ou en Amérique du Nord. Nous allons faire ensemble le diagnostic d'un échec qui porte un lourd préjudice au développement de l'Algérie. Les Algériens émigrent et s'établissent à l'étranger depuis l'indépendance du pays en 1962. Dès la première année de l'indépendance, il a été constaté 70 000 arrivées d'Algériens par semaine en France au dernier trimestre de 1962. En tout et pour le tout, 350 000 Algériens se sont établis en France en 1962. À partir de 1982, 820 000 migrants algériens ont été recensés en France, un mouvement massif d'émigration qui allait marquer pour toujours l'Algérie. Durant les années 1990, alors qu'une confrontation violente oppose le gouvernement algérien et divers groupes islamistes armés, faisant plus de milliers de victimes civiles, 200 000 Algériens auraient émigré selon diverses études réalisées à ce sujet. On compte parmi eux une part importante de personnes qualifiées. Les pays de destination de l'émigration se diversifient. Une partie des immigrés choisit de se rendre en Amérique du Nord, plus particulièrement au Québec. Malgré cette diversification des destinations des migrations algériennes, 85% des Algériens résidant à l'étranger seraient établis en France, selon une étude universitaire qui remonte à 2010. Aujourd'hui, le nombre des immigrés algériens à l'étranger demeure un mystère et aucun chiffre fiable n'a pu être recueilli ou établi. Selon le ministère des Affaires étrangères algérien, environ 1,9 million de personnes sont inscrites auprès des consulats algériens en 2013. Pourtant, Jamel Ould Abbas, l'ex-ministre de la Solidarité nationale et de la communauté algérienne établie à l'étranger, annoncé en 2008 que 7 millions d'Algériens vivaient à l'étranger, dont 4,5 millions en France. D'après plusieurs experts, les différences sont dues à un problème de définition. Qui considère-t-on Algérien? Le ministre des Affaires étrangères retient le critère de citoyenneté et d'immatriculation auprès du consulat. Le ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale retenait une définition plus large, incluant les enfants d'émigrés sur plusieurs générations. Selon une étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques, publiée en 2012, on comptait 1 713 000 immigrés algériens et enfants d'immigrés algériens en France, avec au moins un parent né en Algérie. Mais ces chiffres excluent la troisième génération et les suivantes, ainsi que l'immigration irrégulière. Ces données n'étaient donc pas considérées comme très fiables. Sur un autre chapitre, il faut reconnaître que l'intérêt politique pour la diaspora algérienne remonte aux années 70. La charte nationale du FLN de 1976 indiquait clairement que l'immigration est présentée comme un des problèmes graves légué à la nation par le colonialisme. Le retour et la réintégration des immigrés sont consacrés comme objectif majeur
de la révolution socialiste. Le retour est présenté comme un devoir pour les immigrés. L'État algérien s'engage à continuer à défendre les intérêts et à protéger les immigrés, à leur permettre de sauvegarder et de renforcer dans l'exil leur personnalité nationale et culturelle, ainsi que celle de leurs enfants, et à faciliter leur réinsertion. Le 4e congrès du FLN en janvier 1979 avait confirmé ses orientations politiques en mettant en exergue la nécessité de maintenir un lien culturel avec les immigrés et leurs enfants et de plus en plus affirmé, le comité central du parti est chargé d'organiser l'activité culturelle, sportive et de loisirs en faveur des immigrés en vue de leur faire connaître leur pays et son patrimoine culturel dans le but de faciliter leur réinsertion dans la communauté nationale. Cette priorité accordée aux politiques de retour est progressivement abandonnée, notamment en raison de l'échec que rencontraient ces politiques. De plus, l'Algérie connaît d'importantes difficultés économiques durant les années 1980. L'argument selon lequel l'Algérie peut intégrer économiquement les immigrés n'est plus pertinent. Durant les années 1980 et 1990, crise économique et violence politique se conjuguent. L'émigration n'est pas une priorité politique. Le gouvernement algérien organise cependant en 1995 des assises de l'émigration consacrées à l'organisation de la communauté nationale à l'étranger, à sa protection et à la contribution potentielle de celle-ci au développement du pays sous l'égide du ministère des Affaires étrangères. Quelques années plus tard, le programme d'action du gouvernement en direction de la communauté algérienne à l'étranger de 2000 à 2004 conforte ces nouvelles orientations politiques. L'attachement des immigrés et de leurs enfants à l'Algérie est réaffirmé. Le document soutient qu'il est nécessaire de protéger et de renforcer le lien ombilical entre la communauté algérienne à l'étranger et l'Algérie. Les trois axes prioritaires d'action définis dans ce programme sont la protection et la défense des intérêts de la communauté, l'organisation de la communauté et sa participation au développement du pays. Le premier axe repose principalement sur le renforcement du réseau consulaire du pays et la facilitation des démarches administratives. Le second axe est plus hétérogène et vise aussi bien à renforcer les liens culturels entre l'Algérie et ses immigrés via la scolarisation dans des écoles algériennes, les centres culturels, la chaîne satellitaire Canal Algérie, à faciliter le retour vacancier, qu'à garantir les droits politiques des immigrés. Quant à l'axe concernant l'implication de la communauté dans le développement du pays, il affirme la nécessité de stimuler les transferts d'argent et les transferts de compétences. Le gouvernement algérien entend désensibiliser, mobiliser, organiser ses ressources humaines pour les voir s'impliquer dans l'essor du pays, partager avec eux leur savoir-faire, enseigner aux jeunes générations leurs sciences et construire avec leurs compatriotes l'Algérie de la dignité et de la prospérité. Fin de citation. Le plan d'action pour la période 2008-2013 se fixe comme objectif d'effectuer un bilan de gestion de l'émigration. On y prévoit la création d'un conseil de la communauté nationale à l'étranger et un observatoire algérien de la migration internationale, ainsi que la constitution d'un fichier des compétences nationales établi à l'étranger. Malheureusement, ces écritures sont restées à ce niveau et ces plans n'ont jamais abouti à des résultats probants ou concrets. En 2014, le Conseil national économique et social, devenu aujourd'hui le Conseil national économique, a produit un rapport suite à des rencontres organisées avec la diaspora algérienne à l'étranger, dans lequel il dresse le constat de cet échec. Ce rapport s'alarme même face au risque de voir le sentiment d'appartenance des Algériens établis à l'étranger
à leur pays s'émousser au fil des générations, particulièrement chez les couches qui auront été mieux intégrées, pour ne pas dire absorbées par les pays d'accueil. Le même rapport avait appelé à remédier au déficit de réflexion nationale sur ce sujet, un déficit qui doit être préalablement comblé avant toute tentative de renouer le dialogue avec la diaspora. Ce rapport avait conclu aussi que toutes les tentatives de rapprochement de l'État avec la diaspora algérienne ont péché par excès d'idéalisme et d'exaltation des sentiments patriotiques. Les tentatives antérieures de rapprochement avec la diaspora ont trop souffert du monopole institutionnel. Les chercheurs à l'étranger doivent être mis en relation directe avec leurs partenaires nationaux, entreprises, laboratoires, centres de recherche et développement, pour le montage des projets de recherche aux conditions du marché, avait déploré encore la même source, d'après laquelle tout excès d'organisation politico-administrative est nuisible à la fluidité des transferts de compétences. La vraie question qui se pose en réalité consiste dans la détermination des moyens d'intéresser ces expatriés afin qu'ils puissent contribuer au développement de l'Algérie en y apportant des énergies additionnelles et complémentaires à celles des élites résidant en Algérie, avait conclu un rapport du CNES qui avait formulé 40 recommandations concrètes visant à exploiter convenablement le potentiel de la diaspora algérienne à l'étranger. Jusqu'à aujourd'hui, ces recommandations n'ont jamais été prises en considération, aggravant ainsi cet échec patent de la politique de l'État vis-à-vis des Algériens établis à l'étranger.